Bien, dans cette vidéo de démonstration, on va construire ensemble, en temps réel, ce site e-commerce. Alors, petit rappel, la notion de fabrication de site en temps réel. Et à peu près similaire dans notre offre Quick Building et Smart Learning. On va commencer dans les deux cas par faire un call de 30 minutes, un appel téléphonique de 30 minutes, dans lequel on va vous conseiller et choisir ensemble le nom de domaine sur lequel votre site va être. On va récupérer quelques éléments. Vous allez aussi recevoir un formulaire histoire de récupérer les éléments du type coordonnées, qu'est-ce que vous faites, quels sont les services. Puis, bien sûr, on va prendre les deux rendez-vous. Les deux rendez-vous pour deux matinées dans le cas du Quick Building, de 3 à 4 heures en fonction que ce soit un site vitrine ou e-commerce. Et les deux journées de formation pour le Smart Learning, on va prendre plus de temps. La différence, bien sûr, dans le smart learning, on aura plus de temps et donc on va prendre le temps de vous former à modifier votre site et le référencer. Alors concrètement, en début de session, votre formateur ou votre designer, dans le cas du quick building, va vous envoyer un lien de partage d'écran. À partir de ce moment-là, sous vos yeux, en temps réel, il va fabriquer le site. Et vous pourrez tester des photos, changer les couleurs, tenter des compositions, regarder si le texte fonctionne bien. En temps réel, vous allez fabriquer votre site, vous allez co-construire votre site avec le designer ou le formateur. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, pour construire un site e-commerce en temps réel, on va partir de cette base que vous voyez actuellement, qui est une base avec un certain volume de préconstruction qu'on va complètement déstructurer et modifier pour arriver au résultat souhaité. Alors, cette base e-commerce, évidemment, a toutes les fonctionnalités d'un site e-commerce, les produits, les catégories, euh, le panier, les emails automatiques lorsqu'il y a une commande qui a été faite, le champ de recherche, d'accord Donc, en étape numéro 1, on va aller dans les réglages du site et on va mettre toutes les coordonnées de base, le nom d'entreprise, l'adresse, code postal, numéro de téléphone. On va aussi mettre l'email principal. En validant, l'ensemble de ces coordonnées vont s'injecter sur toutes les parties du site où c'est censé être. En haut à droite, en bas dans le footer, en bas hein, en bas du site, dans la page contact et ainsi de suite. De façon automatisée, une seule action au lieu d'en faire 50 va Intégrer les coordonnées sur tout le site. On va faire de la même manière pour les réseaux sociaux. Par exemple, ici, je vais enlever LinkedIn, je vais valider. Et voyez qu'en haut, là où il y a les réseaux sociaux, LinkedIn est parti. On va le remettre. Ok, je valide. Et l'icône LinkedIn réapparaît. Et à tous les endroits du site où on peut trouver les réseaux sociaux, en bas, en haut, en haut à droite, dans la partie blog, et eh bien, en une action, on a mis à jour l'ensemble du site. Et ça fait partie donc des automatisations qui font gagner un temps gigantesque. Ensuite, on va mettre évidemment le logo de votre entreprise. On va mettre une version qui fonctionne bien sur fond clair et une version qui fonctionne bien sur fond foncé. J'injecte le foncé, j'injecte les deux logos clairs. De la même manière, je valide et automatiquement, mon logo va s'injecter dans toutes les parties où il est censé avoir un logo. En haut à gauche, dans le footer. Je vais éditer la partie qui sommes-nous. Donc on va voir ensuite où, où s'applique cette modification. Je vais aller importer une photographie. Je vais prendre toutes les photos dont je vais avoir besoin par la suite. Je vais prendre celle-là. Je vais changer le titre, par exemple. Je vais m'appeler ça Qui sommes-nous Et le texte de description de l'entreprise. Je vais mettre un lien, vous allez comprendre. Il y a un bouton à cet endroit-là. Je valide. Regardez, c'est sur la colonne de droite, dans la partie blog. J'ai cette petite partie. Et lorsque je clique sur le lien, parfait, je vais à l'endroit que j'ai euh, édité. Ensuite, on va directement aller poser notre ligne graphique sur la page d'accueil. Alors, la ligne graphique, elle est principalement définie par une ligne photographique, donc le type de photo que vous allez utiliser, la couleur principale, qui est là, qui est une sorte de jaune doré, et une typographie, qui dans ce cas-là est la typo playfair choisie. Donc ensemble, si vous voulez tester des couleurs, on peut le faire. Là en l'occurrence, on va directement choisir la bonne couleur, ce qu'on appelle la global color. Et vous allez voir, en validant cette global color, tous les endroits où cette petite touche de couleur principale doit être mise, eh bien elle se elle met dans le menu, dans les call to action, dans les différents titres. Euh, voilà. De façon automatisée, la couleur principale, or blanc et noir de votre site, est directement euh, injectée. Ensuite. On va passer, bien sûr, à la typographie. Donc, on va tester ensemble plusieurs typographies. Votre designer va vous conseiller sur la typographie que vous devriez utiliser par rapport à votre thématique. Ici, dans notre exemple, on va utiliser la typographie Playfair, qui est une très jolie typo, en tout cas pour la thématique euh, cuisiniste euh, euh, qu'on a qu'on a choisie ici. On va les vérifier. Vous voyez que la typo, elle s'injecte partout ça nous permet déjà de, de changer d'ambiance. Ensuite, on va s'occuper voilà, de la partie haute du site, c'est-à-dire la partie banner. Donc, de manière la plus simple possible, on pourrait directement utiliser le modèle qu'on a là et en changer les images. Donc, votre, votre designer, il va, il va créer avec vous, euh, donc sur Photoshop, les, euh, les trois images. Ici, elles sont déjà préparées. On va les injecter. Et c'est la photographie aussi hein, qui change l'esthétique d'un site, hein, l'univers d'un site web. Hein. La photographie, les, les, ce type de composition. Voilà, cliquez, image, je viens chercher. Toujours le même process. On valide. Et on va voir. Déjà, ici, on a déjà changé d'univers. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On va par exemple ce bloc ici. On va le, on va le cacher, on va le mettre tout en bas du site. Et on va créer une toute autre bannière. Hein, tout autre format Alors ce, ce format-là est très bien pour pour bien passer sur les iPhones, mais bon, on va créer un slider pour l'exemple. Pour Donc je vais aller ici taper slide, je clique pour l'injecter. Je vais aller dans ma librairie préconstruite, c'est toute la force de la chose, hein. c'est-à-dire que j'ai une grande librairie de blocs préconstruits que je vais pouvoir tout simplement aller chercher, cliquer, glisser, qui, qui remplissent 99% des besoins. Hein. Je vais l'éditer. Je vais donc le paramétrer pour qu'il prenne toute la largeur. Je vais changer mon image d'arrière-plan. Prendre celle-ci, valider. Je vais changer la couleur de mon texte. Je vais d'ailleurs agrandir. Voilà ma bannière pour que ça fasse vraiment beaucoup plus haut de gamme. Une belle photo avec un titre bien centré. Je vais bien centrer mon texte sur la photo. Je vais changer la couleur de mon texte pour qu'il soit évidemment plus lisible. Accepteur de cuisine sur mesure. Ici finalement le texte hein, euh, voilà, on va essayer des textes euh, vous allez essayer des textes avec votre designer, votre formateur, et puis euh, voilà, une fois que vous avez trouvé un texte qui a le bon compromis entre ben, son côté esthétique, hein, pas trop de texte, aussi son côté euh, référencement naturel, et eh bien euh, vous choisissez de le conserver. Ici on va éditer le call to action, donc, par exemple voir la vidéo. Dans cet exemple-là, on va injecter une vidéo dans la page. Et je valide. Et vous voyez que là, on change déjà beaucoup d'univers. On n'a pas pris un bloc qui était déjà sur le modèle. On a, on a construit un bloc grâce à notre librairie. C'est toute la puissance du, de l'outil. Je vais créer ensuite mon deuxième slide. Tout simplement en dupliquant le premier et en changeant l'image d'arrière-plan. Voilà. Je vais mettre un petit overlay blanc. Avec une écriture noire. Donc l'overlay, c'est une petite couche au-dessus de l'image. La écriture noire, parfait. Et je vais mettre une petite couche blanche au-dessus de l'image pour que ce soit encore plus lisible. Voilà, avec une petite opacité, c'est-à-dire une petite transparence. Voilà. Et je valide. Voilà. Et maintenant, j'ai bien un slider en header de ma page. Donc tout l'intérêt de ce système là, c'est qu'une page est composée de blocs et vous avez une librairie de blocs qu'on va pouvoir ajouter et modifier. Donc là, par exemple, je vais ajouter des éléments de réassurance. Donc je vais dans ma librairie. Je vais trouver un bloc qui va me permettre de mettre les éléments de réassurance. Voilà, je vais prendre celui-ci. Et boum, il se place directement là. Je vais changer. C'est ici qu'on met par exemple les paiements sécurisés, la livraison rapide, le service après-vente, toutes ces choses-là. Donc là, je vais mettre paiement sécurisé. Ici, livraison express. C'est vraiment les éléments les plus importants que vous devez montrer à vos prospects dès qu'ils arrivent sur le site. Je vais changer les icônes. Avec un clic, je vais taper par exemple ici, carte, pour avoir une carte bancaire, pour bien illustrer mon propos. Et je fais pareil. Hein, ici, je vais aller chercher un camion pour le transport et un téléphone pour le service client 5 étoiles. Voilà. Je valide et je vais jeter un coup d'œil. Et là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Alors, ici pour l'exemple, je vais aller changer tout de suite. Vous voyez que sur ce site, il y a huit euh, produits mis en avant. Je vais aller changer tout de suite juste les images des produits euh, d'exemple qui y sont pour qu'on soit déjà plongé en fait hein, dans, dans le graphisme, dans l'univers de notre site web. Vous voyez, donc là, je vais injecter toutes les images. Pour ce produit-là, je vais mettre les couverts en bois et je vais faire tous les autres produits. Voilà, c'est fait. Et donc Maintenant, on peut aller voir sur le site, vous allez voir, les produits ont changé et sont beaucoup plus cohérents avec notre esthétique. C'est vraiment pour dire, voilà, on a, euh, on a vraiment euh, les produits qui correspondent à notre univers. On verra comment on crée des produits sur une phase euh, ensuite. Et donc là, je continue. Si un bloc qui était déjà présent sur le modèle de base me convient, je le conserve. Je vais juste en changer évidemment le texte. Il faut savoir que les blocs qu'on a déjà mis, ce sont les blocs les plus, euh, les plus utiles, les plus performants. En gros, normalement, on ne devrait rien rajouter à ça. Ici, je vais faire que de l'édition de texte. Je mets ma petite description. Je vais rajouter mon image de qui sommes-nous. Si vous avez une belle photo de vous, si vous êtes fabricant, ça peut être très très sympa. Je vais utiliser mon texte. Mes différents points forts ici. Voilà. Différents points forts. Ici, c'est un bouton de call to un bouton où je peux injecter un lien, par exemple, en les amenant sur la page à propos, qui est une page à part, qui serait peut-être plus complète que la toute petite partie qui sommes-nous que je mettrai en page d'accueil. Voilà, j'y mets un lien. Ensuite, je vais recréer une, une composition. Avec une vidéo, vous voyez, je mets un bloc préfabriqué, je vais mettre un joli gris clair en fond, je vais ajouter une vidéo, je clique, la vidéo arrive, je vais supprimer l'image qu'il y avait de base, je vais sur YouTube, je vais prendre une vidéo, une de vos vidéos par exemple que vous auriez chargée, je vais prendre juste le lien, je clique et je colle le lien. Boom, la vidéo est là. Maintenant, je rajuste mon texte. Ici, ce serait plutôt une partie, on va dire... Voilà le concept par exemple. Et encore une fois, je peux me mettre des lignes de points forts ou de services. Ici je peux choisir par exemple de conserver la notion de témoignage ou de la supprimer. Voilà, si on n'en a pas besoin. Ici on va, la, on va la laisser, on va éditer un, un petit témoignage. Si vous avez des témoignages clés on peut le mettre ici. Bon c'est toujours le même principe. Hein. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est une... Euh, on fabrique très simplement, très rapidement de très jolies pages parce qu'on a des blocs préconstruits dans une librairie qu'on édite, qu'on décide d'enlever, d'ajouter, de supprimer, de dupliquer. Autant qu'on le souhaite. Alors ça, bah, ma petite banner, bon, maintenant qu'elle est faite, je vais quand même, euh, même l'utiliser. Je vais juste rajouter un bloc juste au-dessus. Un bloc où on pourrait appeler ça, voilà, visiter notre showroom. Si il n'y a pas de showroom, bah on ne met pas ce bloc. Hein. Vraiment ici, l'idée c'est d'illustrer les propos avec des jolis blocs. Ouais, c'est très bien. Je vais simplement prendre la première banner que j'ai faite, comme elle est faite, comme on a bossé dessus. Je vais l'utiliser. Ça permet de faire par exemple des liens sur des promotions, des liens sur des catégories spécifiques. Voilà, la partie nos articles. Bah, si vous comptez créer des articles de blog pour votre référencement naturel, faut la laisser. Sinon, vous pouvez la retirer. Et là ici, pour la partie contactez-nous, je vais simplement marquer contactez-nous, nous, Contactez -nous et je valide. Et voilà. Et ben bah, ma page d'accueil est terminée. Hein. Elle est jolie. Il y a tout le contenu que je souhaite. Elle est fonctionnelle mes éléments de réassurance, mes produits mis en avant, donc là en l'occurrence j'ai 8 produits, je pourrais avoir 12 produits ou seulement 4 produits, mes accès à des catégories ou des promotions, hein. ici on fait des simples liens vers des pages, une présentation rapide de qui on est, ma vidéo, une présentation de mon concept, mes témoignages, un accès si vous avez un showroom ou peu, peu importe, prise de rendez-vous, et les derniers articles. Donc une fois qu'on aura fini la page d'accueil, eh on va faire aussi tout de suite ensuite la page à propos. Et une fois qu'on aura fait la page à propos, eh bien on va s'attaquer aux catégories de produits et le menu évidemment. Donc pour ce faire, eh bien je vais aller dans produits catégories et je vais supprimer toutes les catégories existantes, toutes les catégories d'exemples. Okay. C'est supprimé. Maintenant je vais créer mes catégories. Alors là pour l'exemple on va créer une catégorie luminaire, je valide. Une catégorie vaisselle. Valide. Alors sous vaisselle, je vais avoir trois sous-catégories, hein, trois sous-boutons. Donc, je vais créer assiette et je vais choisir vaisselle en termes de catégorie parente. Je vais faire de même pour tasse. Et pareil pour couvert. Ensuite, je vais créer une catégorie plante. Et je n'ai pas de catégorie parente, c'est une catégorie maître. Hein. c'est pas une sous-catégorie. Ustensiles, stickers Carrelage Donc après coup, une fois qu'on aurait créé toutes ces catégories, même deux semaines après qu'on ait fini le site, vous pouvez rajouter autant de catégories que vous le souhaitez. Hein. Là, c'est histoire de dire on a créé des... voilà nos catégories de base. Une fois que j'ai créé mes catégories, je vais aller dans Brands, donc c'est les marques. Donc en l'occurrence, dans ce cas-là, on a zéro marque. Il n'y a qu'une seule marque, c'est la marque du, du concepteur, du fabricant. Hein. Là, ici, Barn Jacob. Ok, donc j'écris Barn Jacob, donc on n'aura qu'une seule marque sur ce site web. Et je valide. Ensuite, on va se diriger à l'endroit de la création du menu. Voilà, je fais bien attention de bien sélectionner menu catégorie produit. Je vais prendre toutes les nouvelles catégories que j'ai créées. Et je les ajoute. Je vais en changer l'ordre et je vais mettre mes sous-catégories dans, dans la catégorie que je souhaite. Donc je vais mettre luminaire en premier, ensuite je vais mettre vaisselle. Sous-vaisselle, je, vais je vais mettre mon sous-bouton, assiette. Donc, vous voyez, je le décale un peu vers la droite. Couvert. Tasse. Voilà, je vais mettre plante au-dessus de carrelage. Objet ici. Bon, grosso modo, je fais ce que je veux. Je valide. Et là, je vais aller voir sur mon site. Je rafraîchis. Et hop, mon menu est créé avec mes sous-menus de vaisselle. Je vais aller par exemple aller dans luminaire. Et je vois que j'ai une catégorie sans produit et surtout sans description. Donc, euh, en dessous luminaire, vous pouvez ajouter donc, du texte pour la description. Je vais aller le faire tout de suite l'exemple je me rends dans produits catégories je vais rentrer dans luminaire donc c'est très important pour le référencement naturel c'est de, de rajouter du contenu de la description à chacune de vos catégories tout comme à chacun de vos produits hein. le texte en référencement naturel c'est la base donc là je vais créer un petit texte je vais en profiter pour rentrer mon meta title et ma meta description ok c'est important pour le référencement naturel. Ici le meta title et la méta description, c'est ce que vous voyez dans, quand vous faites une recherche sur Google, qui est le titre bleu et le texte en dessous. Voilà, et ici pour la méta description, je vais prendre simplement la description de la catégorie. Voilà, parfait. Et je valide. Donc je vais revenir sur ma catégorie, je rafraîchis et je vois que j'ai une description. Donc là elle est un petit peu courte, je vous conseillerais plutôt d'aller sur une description en 3-4 lignes, hein, Vraiment du contenu enrichi. Je vais euh, pareil, je vais sélectionner l'ensemble de mes produits, je vais les ajouter à ma catégorie luminaire. Ok, pour vraiment avoir une catégorie avec plein de produits dedans pour notre exemple. Je valide. Et maintenant, si je rafraîchis, boum, j'ai tous mes produits ici. Okay Donc le, le principe est simple, hein, je crée des produits, je les mets dans, dans une à plusieurs catégories. Ensuite, on va, on va s'attaquer à la partie euh, produits. Donc ok, donc, euh, lors de la... on va créer un, un produit ensemble. Donc là, je vais vous montrer grosso modo comment ça fonctionne. Je vais rentrer dans un produit comme ça en cliquant dessus. Je change un titre et je change une image. C'est les deux premières choses que je fais. Donc là, je vais marquer fourchette en bois. Ici, je vais sélectionner donc, les catégories dans lesquelles je veux que mon produit soit. Donc en l'occurrence, ce qui est cohérent ici, c'est de le mettre dans vaisselle et dans couvert. Ici c'est une catégorie de base, vous pouvez l'enlever ou la laisser. Catégorie neutre en fait. C'est ici que je viens changer l'image, donc là l'image était déjà bonne, mais bon. Sinon on clique ici, on vient chercher l'image. Ici c'est la galerie produit, donc c'est les photos supplémentaires. Si par exemple vous aviez d'autres photos, votre produit fourchette, bah, vous pourriez le mettre. Ici pour l'exemple je vais sélectionner d'autres photos hein, qui sont incohérentes, mais voilà en gros c'est d'autres photos de ce même produit qu'on met ici. Je valide. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais dans ma catégorie couvert. Je vois bien que le produit y est bien. Qu'est-ce que je vois Je vois bien ma photo, mon titre. Je vois aussi les photos en dessous. Voilà, que je peux, je peux y accéder avec un slider. Là, en l'occurrence, je vais, je, vais je, vais, je vais changer le titre. Je voudrais qu'il soit en deux lignes. Ça serait plus joli. Ouais, je vais rajouter premium. Valider. Je vérifie. Ouais, c'est peut-être mieux en deux lignes. Ensuite, je vais faire ma description courte. La description courte, c'est ça. Hein. C'est la petite description qui doit être un peu accrocheuse. Courte, mais accrocheuse. Okay. L'eau de fourchette en bois premium. Type décoration. Cuisine. On va mettre scandinave. J'en sais rien du tout hein, si c'est un produit de décoration scandinave. Ok. Je vais valider, je vais voir à quoi ça ressemble. Je rafraîchis. Et voilà, ma petite description, elle est là. Ensuite, euh, bon, là, je suis parti d'un produit qui existait déjà. Donc, euh, c'est un. Ici, là, vous pourriez mettre les caractéristiques, on va le voir ensuite. Donc, là, c'est un produit variable, le produit sur lequel je suis parti. Donc, je vais le mettre en produit simple. Un produit variable, c'est un produit, vous savez, avec des choix, couleur, taille. Donc, là, je vais y mettre un prix. Je vais noter, ici vous pourriez noter le code barre s'il si y avait un code barre. Là, je vais noter que j'en ai 10 en stock. Dans expédition, en fait, je mets le poids et la taille du colis. Donc, c'est très important puisque pour les expéditions, si vous voulez faire du point relais par exemple, on va connecter un outil qui s'appelle SendCloud et ils ont besoin de ces données-là pour estimer un prix pour quand vous allez générer l'étiquette, le transporteur va vous facturer. Et pour créer ce prix, bah, il faut qu'il sache combien ça, ça pèse et quelle taille ça fait. quoi. Donc, je valide et boum, j'ai bien mon prix. Et maintenant que j'ai du stock et que c'est validé, eh j'ai un bouton ajouter au panier. Les caractéristiques, les avis. Donc je vais vous montrer au niveau des caractéristiques comment ça fonctionne. Tout simplement, si vous n'avez rien à mettre, bah, vous enlevez et la case va disparaître. Si vous voulez euh, par exemple ici sur euh, normes de sécurité, je vais marquer euh, Union Européenne. Normes alimentaires, il n'y en a pas. Matériaux, bah, c'est du bois, premium. Ici vous pourriez mettre le code barre le poids, si c'est un élément important à afficher aux yeux des, des clients, bah vous mettez le poids par exemple 10 kg. Voilà. Et vous validez. Et lorsqu'on rafraîchit, vous voyez que là où j'ai enlevé les données, bah, le, la case a disparu et puis ça s'est modifié dans les autres cases. Et donc maintenant que j'ai fait ça, et bien il ne me reste plus qu'à faire sous cette partie-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle la description longue. Et en réalité, pour faire la description longue, eh c'est le même principe que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur les autres pages. On va rentrer dans le, le constructeur de page et on va fabriquer ici le contenu de façon très simple en ajoutant des blocs. Donc je vais par exemple ajouter ici un bloc texte que je peux éditer très simplement. Je peux ajouter par exemple une vidéo avec le même principe que tout à l'heure. Je vais chercher un lien sur YouTube. Voilà. je rentre le lien la vidéo est là je peux ajouter par exemple une galerie photo Tac. je vais chercher mes photos hop, hop, hop. je peux ajouter évidemment je peux faire ce que je veux par exemple là je vais faire une petite composition en deux colonnes avec une image à gauche et un texte à droite Bon, il faut savoir que plus vos pages produits vont être complètes, euh, c'est-à-dire à la fois euh, importantes en termes de, de volume de contenu, mais aussi jolies. Plus vous allez, d'une part, ben, donner de chance à Google de vous référencer, et en plus, vous allez créer du temps passé, les gens vont rester plus de temps sur vos pages, si vous y mettez du contenu. Et encore une fois, ça c'est très important pour votre référencement naturel, plus les gens resteront longtemps sur vos pages, plus aux yeux de Google, ce seront des pages de qualité, et donc il va vous faire monter dans les moteurs de recherche. Donc c'est très important d'avoir un outil comme ça pour construire du contenu enrichi, de qualité visuelle, bah, toujours avec le système de blocs, facilement. Et eh bien une fois qu'on a fait ça, notre site est presque terminé. Ce qu'on va faire, et souvent c'est dans la deuxième session, on va, on va faire tout ce qui est paramétrage, c'est-à-dire voilà les expéditions, le prix de l'expédition. Par exemple ici on va dire que on livre en France. On a une livraison par exemple à domicile, voilà, à 9,90 euros. Ok, un forfait. 990. On va mettre par exemple qu'on ait une livraison gratuite. Hop, modifier à partir de volume minimum de commande 49 euros. Et on pourrait mettre ici rajouter une livraison en point relais. Donc vous savez une fois qu'ils vont commander, ils vont pouvoir cliquer et sélectionner un point relais. On va aussi évidemment paramétrer le paiement. Ok. Donc le paiement PayPal, le paiement par virement, le paiement par chèque. Tout simplement, on va se connecter à votre compte PayPal que vous aurez créé en amont. Et puis, on va rentrer vos données ici. Enfin, eh ben, on va faire le process de, 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 ensemble hein, de, de paiement d'achat de, de, d'un produit. Donc, on va cliquer sur « Ajouter panier ». On va aller dans le panier. On va vérifier que tout fonctionne bien. On va valider la commande. Rentrer les données. Sélectionner le mode de paiement. Et faire une vraie transaction pour voir si ça fonctionne bien et que vous recevez bien les emails de commande, voilà, de confirmation de commande, que le client reçoit bien son email de confirmation de commande, bref que ça fonctionne bien. Ensuite, on va checker les formulaires. Ok, pareil, même système. On va remplir un formulaire, on va le valider, et bien vérifier que vous recevez bien dans votre boîte mail les formulaires envoyés. Une fois que votre site, la, session, la deuxième session est terminée, votre site il est terminé. Néanmoins, vous pourriez avoir besoin de, avant de le rendre euh, totalement accessible aux yeux des gens, vous pourriez avoir besoin de créer d'autres produits. Donc si vous avez besoin de ce laps de temps, vous n'avez plus qu'à aller dans mode maintenance, cocher cette case, euh, choisir d'afficher sur cette page l'email ou le numéro de téléphone. Ici on va prendre l'email. On valide. Et comme ça, les gens donc, qui ne sont pas logués, il hein, n'y euh, a que vous de loguer. Là, je vais me déloguer. Voilà. Les gens, quand ils iront sur votre site, puisqu'il sera, il, il sera en ligne à ce moment-là et donc euh, sur votre nom de domaine, quand ils vont y accéder, eh bien, ils vont tomber sur une page site en cours de maintenance. Comme ça, il sera inaccessible. Ça vous laisse le temps de mettre vos, vos premiers 10 produits. Et euh, une fois que bah, vous êtes prêt, vous êtes, vous êtes OK, ben, vous, vous allez dans votre interface d'administration, vous retournez au même endroit. Voilà, réglage site, maintenance, et vous décochez la case, vous validez. De ce fait, les gens quand ils vont arriver, ils n'iront plus sur la page site en cours de maintenance, mais sur le site terminé. Donc en fin de deuxième session, votre site est terminé. Libre à vous de le mettre en mode maintenance si vous voulez faire une retouche texte ou de photos. Vous allez recevoir aussi un email avec vos accès donc à l'interface d'administration du site, aussi les accès à vos vidéos de formation en cas d'oubli si vous ne vous rappelez plus comment on change un texte ou une image, et vos accès Google Analytics.